Question subsidiaire numéro 25. Martin et Mathieu ont retrouvé leur vieux train électrique. Tous les rails sont identiques. Mathieu a tout de suite fait un circuit circulaire avec 8 de ses rails. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Martin a commencé son circuit en plaçant 2 rails comme indiqué. Celui-là et celui-là. Ça, c'est le début de Martin. S'il le complète pour faire le circuit fermé le plus court possible, combien de rails de plus que Mathieu va-t-il utiliser? Bonne question. J'ai essayé avec mon vieux train électrique. Et voilà ce que j'ai trouvé. Solution du kangourou de mathématiques, sujet corrigé statistique 2013 pour les collèges et lycées. À la page 19, on va étudier ensemble la solution. Tout d'abord, Martin avait ces deux morceaux, celui-ci et celui-là. Ces deux morceaux de rail, deux rails. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté un demi-cercle en bas de son assemblage. 1, 2, 3, 4 rails, comme vous le voyez. 1, 2, 3, 4, un demi-cercle. Ben, il va assurer la jonction entre ces deux demi-cercles, au-dessus encore. 1, 2, 3, 4. Et ben, pour assurer la jonction entre ces deux demi-cercles, donc il faut rajouter encore un rail ici, un rail là. Deux rails identiques à ceux qui étaient au début. Combien il y a en total? Eh ben, au total, il y en a 8 plus 8 et il reste 4 de plus que celui de Mathieu. Voilà. Le circuit de Mathieu aura 4 rails de plus que celui de Mathieu. Martin a 4 rails de plus que celui de Mathieu. Et le train s'y fera que 3 fois, peut-être. Réponse 4. Et la dernière question, question subsidiaire numéro 26. Combien y a-t-il de sommes d'entiers naturels consécutifs égales à 63? 63. Combien? Combien de sommes d'entiers naturels consécutifs? Alors, cherchons. D'abord, somme égale à 63. S'il y a deux nombres, lesquels? Vous l'avez trouvé? 31 plus 32 égale 63. Avec trois nombres, donc une vingtaine chacun, vous avez trouvé? 20 plus 21 plus 22 égale 63. Essayons avec quatre nombres, vous trouvez? Moi, je ne trouve pas. Je trouve par contre avec 6. 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13. Vérifiez, cela fait 63. Ou bien on commence à 6. Hein? 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 égale à 63. Et si on commence plus bas, à 3. 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 égale 63. S'il y a un nombre impair d'entier, donc ici un nombre impair, il y en a 3, le nombre au milieu de la liste, vous voyez celui-là, doit diviser 63. 21 divise 63. Alors, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, le nombre au milieu de la liste, 9, 9 divise aussi 63,
2, 4, 6, 8, 9. Le nombre au milieu, 7. Et divise aussi 63. Divise 63. Car la somme vaut ce nombre moyen multiplié par le nombre de diviseurs. Voilà, ici il y en a 2. On enlève le 1 ici, ça fait 63. Donc vous voyez, diviseurs de 9, 7 et 21 sont divisibles. Ils divisent le 63. Bien. Alors les diviseurs de 63 qui conviennent sont lesquels? 21, 9 et 7. Les autres diviseurs, quels sont les autres? 63, 3 et 1. Ils ne conviennent pas parce que 63 est tout seul. Hein, la somme de 63 avec lui-même, hein, il y a un seul, égale 63. Il faut plusieurs nombres, hein, bien sûr. Et puis pour 3 et 1, la somme comporte des entiers négatifs. Essayez avec des entiers négatifs pour additionner, pour voir si on arrive à 63. Alors si un nombre pair d'entiers, voilà ici un nombre pair d'entiers, 2, 4, 6, c'est la somme de deux nombres milieux. Quels sont les nombres milieux de la liste? 2, 2, c'est ça le nombre milieu, qui divise 21. 21 divise 63. Donc il n'y a que 31 plus 32, ou 10 plus 11, qui donne une somme d'entiers tous positifs. Conclusion, il y a 5 sommes d'entiers naturels consécutifs. 1, 2, 3, 4, 5. Afin que cette somme soit égale à 63. Il y a aussi une solution plus difficile, classe de 3e seconde, qu'on va présenter tout de suite. Exercice numéro 26. Combien y a-t-il de sommes d'entiers naturels consécutifs égales à 63? Je vais noter les entiers consécutifs par A plus 1, A plus 2, A plus 3, et comme je ne sais pas combien il y en a, A plus N. Ici, il y a N nombres. Si A est nombre naturel, si n est nombre naturel, ici on a n nombres entiers naturels consécutifs. Et je veux que la somme de ces nombres, la somme, fasse 63. Il faut trouver toutes les solutions de cette équation. Pour cela, combien de a il y en a? Comptez-les bien. 1, 2, 3, n a. N a. Plus, il nous reste 1, plus 2, plus 3, plus etc., plus n. 1, plus 2, plus 3, plus n, égale 63. Une formule qu'on a du mal à passer ici, mais elle se connaît d'ailleurs, c'est que la somme de ces nombres, c'est n fois n plus 1 sur 2. Ça, c'est la somme de nombres consécutifs de 1 jusqu'à n, égale à 63. Comme je ne veux pas de dénominateur, je vais multiplier les deux membres par 2. 2na plus n facteur de n plus 1 égale que 126. Je vais multiplier ça par 2, ça par 2 et ça par 2. Bien sûr, ici, on voit qu'on peut mettre n en facteur. N facteur de 2a plus n plus 1 est égal à 126. Et maintenant, tout devient une question de divisibilité. Parce que ici, on a des nombres entiers naturels. Leur produit, ça fait 126. Et bien sûr, en fonction des diviseurs de 126, on va voir quel est le n qui convient. Alors, 126 égale factoriser 2 fois 63 qui est égal 2 fois, à la place 63 c'est 7 fois 9 qui est égal 2 fois 7
Et à la place de 9, c'est 3 fois 3. Factorisation de 126. En facteur premier. Alors n peut avoir une des valeurs qui sont des diviseurs de 126. Alors n égale 1, alors si n égale 1, alors si n égale 2, alors vérifiez en remplaçant n par 1, par 2, par 3, par tous les diviseurs de 126. On verra ça dans une seconde. Il est facile de donner à n les valeurs qui sont des diviseurs de 126. Les premiers diviseurs sont 2, 3, 6, 7, 9. Si on essaie plus loin, on trouvera des nombres négatifs. Mais pour les 5 valeurs de n, on trouve les 5 sommes pareilles comme dans la solution précédente. Voilà ce qui se passe si on prend des diviseurs de n de 126 plus grands que n, que 9, pardon. Si on prend par exemple n égale 14, c'est le suivant après 9. Alors, notre équation initiale qui était n fois 2a plus n plus 1 égale 126, en remplaçant n par 14, devient 14 fois 2a plus 15 égale 126. Du coup, 2a plus 15 égale 126 divisé par 14, ce qui fait 9. Du coup, 2a égale 9 moins 15, ça fait moins 6. A égale moins 3. Donc le premier nombre, je rappelle que les nombres commençaient à a plus 1. Alors le premier nombre, c'est moins 2. Et puis il y a moins 1, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 11. Il y a 14 nombres ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais ce ne sont pas tous des nombres entiers naturels. Il y a des nombres négatifs. C'est pour ça que pour n égale 14, on ne peut pas trouver des solutions. Et après, bien sûr, pour les diviseurs plus grands de 126, c'est pareil. On commence par des nombres négatifs. Du coup, les seules sommes sont les 5 sommes ici présentes. Solution complète de niveau olympique de 3e.